Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va aller faire un petit tour à l'Art to Play à Nantes. L'année dernière j'ai voulu vous y emmener et franchement je suis tombé malade, j'ai pas pu y aller. Donc là on va au Parc des Expos, on est le dimanche 20 au Parc des Expos de Nantes, à la Beaujoire. Et donc du coup je vais vous présenter un peu ce qui se fait là-bas, on est parti. On commence par le hall XXL, là où la plupart des exposants se trouvent, et ça sera le plus intéressant pour moi. Donc, on commence par le premier magasin Japanim, les amis de Japanim Nantes, qui sont un peu partout dans l'ouest, un grand magasin dans l'ouest. Beaucoup de figurines présentées, ça fait plaisir de voir un salon avec autant de figurines. Vous verrez, hein, y a d'autres magasins qui proposent aussi beaucoup de figurines et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait quand même longtemps que j'avais pas fait un salon avec autant de magasins de figurines. Manque des cartes quand même, il manquait des cartes. Mais là, on avait quand même quelques petits bijoux dans les figurines. Ils étaient venus avec un très joli stand, figurines, livres, posters, il me semble qu'il y avait aussi des boissons, des Ichiban Kuji, des peluches, enfin franchement voilà, un très très joli stand, et il y avait même un stand de dédicace que je vais vous montrer tout à l'heure. Le stand dédicace que je vous disais tout à l'heure avec plusieurs auteurs dont le chef otaku. Bon, moi j'avais rien à faire dédicacer et voilà, j'avais autre chose à faire que d'attendre pour une dédicace. Autre stand de figurines, Shibi Akihabara, ils sont venus avec beaucoup de figurines, bien que je les ai trouvées assez chères comparées à d'autres magasins qu'il y avait à côté, donc notamment Shop for Geek et Japanim. Par contre, ils étaient venus avec quand même de la belle figurine, donc là on voit une superbe résine, franchement, elle valait le coup d'être vue, elle est très très jolie, très très bien faite, donc, et elle était en vente apparemment à 700€, donc franchement ça valait le coup d'œil.
avait également Otaku Nodera, avec la marque Crève aussi, une marque assez bizarre quand même, de nom. Et il y avait un très joli Vegeta qu'on peut voir ici. Donc Otaku Nodera, pour lequel j'avais fait un vlog, de même pour Japanime et Shop for Geek, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Il proposait des figurines assez intéressantes, notamment un SH Figuarts. Donc là, je voyais la selle que je vois tourner à 65€ en ce moment. Bah, il l'a proposé à 60€. Donc là, il y avait la Goku, là, moi qui me plaisait pas du tout, celle-là. Il proposait également un SH Figuarts des exclusivités de salon américain. Donc là, Nappa et la Son Goku. Donc là, on peut voir event exclusive. Ils ont réussi à les choper et à les proposer en vente. Donc c'est plutôt intéressant. Ici le magasin Geek ou Pop que je ne connaissais pas, et bien belle découverte, franchement, c'est diverses licences, différents éléments. J'ai vu une bougie, plusieurs bougies même Disney. Ça m'a attiré ma curiosité, on a discuté avec les vendeuses, elles sont très gentilles, et on a même rigolé, donc c'est vraiment assez sympa, c'est voilà. Un autre univers de ce salon, c'est vraiment très, très cool. De Shinsekai, beaucoup de figurines aussi. J'avoue, je ne vois que à ce salon là. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez Shinsekai, si vous avez commandé, si ça se passe bien et tout ça. Mais en tout cas, ça me semblait plutôt pas mal ce qu'ils proposaient en tout cas sur ce salon. Donc, ouais, il y avait des trucs, c'était quand même assez cher. On parle, je pense, surtout au Vegjump qu'on trouvera tout à l'heure. Ça, c'était le seul stand de Shinsekai où on trouvait des cartes Super Dragon Ball Heroes. Ça fait plaisir de voir ce stand de cartes, mais j'avais vu aucun autre stand proposer d'autres cartes comme ça. Et là, les V-Jump dont je vous parlais tout à l'heure, 20€. Ah, les amis de Shop for Geek, ça fait plaisir de les voir, on a pu discuter ensemble. Très joli stand aussi, avec pas mal de figurines, de licences diverses. Il y avait même de la résine de différentes licences. Donc franchement, c'était très très joli.
là, comme je suis en recherche de Sailor Moon pour ma fille et ma femme, eh bien, en fait, j'ai vu ça, donc j'ai failli craquer. Hein. J'ai pas craqué, mais j'ai failli, ça m'intéressait pour leur offrir. Mais bon, j'ai craqué sur d'autres choses. Anime Import, très gros stand de figurines là aussi, beaucoup de choix, voilà, il y a vraiment de la concurrence sur figurines, ça fait plaisir à voir cette concurrence là, ça permet de faire son choix de figurines, différentes licences également, et de faire marcher la concurrence sur les prix, hein, parce que mine de rien, quand tu as le choix sur plusieurs magasins ou sur la surface, ça fait plaisir de pouvoir dire bah celle-là c'est la moins chère. De figurines, on va passer sur les stands artistes et divers. Voilà, donc là c'est un stand avec des armes blanches et des trucs assez sympathiques. Mais c'était très très joli. Alors, il y avait vraiment beaucoup d'artistes, hein. J'ai pas fait le tour de tous les artistes, je vous ai pas tout filmé parce qu'il y avait vraiment vraiment beaucoup d'artistes, beaucoup de dessinateurs. Voilà, c'était un des avantages de ce salon là, c'est que franchement on peut découvrir des talents. J'ai pas pu tout vous filmer, donc j'espère que ce passage là passera sur YouTube, ça sera pas censuré. Alors la belle surprise, on est sur un magasin de corsets comme on peut voir, et là on a des boules Pokémon, elles sont super bien faites franchement, gros coup de cœur sur ce salon au niveau d'artistes, parce que là franchement j'ai trouvé ça super original et super bien fait quoi, franchement tu mets ça dans ton salon, ça fait une belle déco.
Le manga café, voilà. Donc ça, on a, il y avait deux stands sur le Art to Play et les prix sont fous, franchement. Bon, alors, j'ai craqué, hein, j'ai dépensé quand même, hein, parce que bah, mine de rien, un salon, c'est pas là où tu fais des affaires. Mais les prix sont assez fous, là, 4 euros la canette par exemple, donc c'est quand même pas donné. Et on verra aussi, ils proposaient des wafers à 4 euros la wafer, donc voilà, ce qui fait que c'est très très cher. Bah parce que simplement, une boîte, ça me revient à 20 ou 30 euros, je crois, plus un port, 50. 4 euros la wafer, ça fait quoi? 20, bah ça fait 80. 80 euros la boîte, alors qu'en import, douane, frais de port et tout ça, t'as allez, à 40 à 50 euros. Donc voilà, donc c'est là où je dis, ouais, effectivement, là tu te fais bien plumer quand même. Donc j'ai pas pris de wafer. Alors là, il y avait celui-là aussi, la petite figurine, 7,50€ ce truc-là. Putain, 7,50€, j'étais sur le cul. Donc ça, je l'ai vraiment pas pris. J'ai craqué sur d'autres trucs qui sont tout aussi chers, mais j'ai craqué aussi sur d'autres trucs. Et dans ce salon, il y avait beaucoup de cosplay. Alors, j'ai pris les stands de cosplay, je trouvais ça super bien, mais après, il y avait d'autres cosplayers amateurs qui ont fait vraiment de très joli boulot, mais j'ai pas eu le temps de les prendre et j'ai pas non plus osé aller les déranger. Ils faisaient, bon, enfin, ils avaient vraiment des jolis costumes. Je me suis arrêté au stand et c'est déjà quand même plutôt pas mal. Stand de DVD où on a retrouvé quand même pas mal de coffrets. Alors j'ai trouvé quand même assez cher là aussi, mais si on avait raté certains trucs, eh bien il y avait moyen de pouvoir se faire plaisir. Donc il y a des coffrets qui étaient assez chers et d'autres où par contre c'était plutôt intéressant en DVD par contre. Mais voilà, ça permettait de compléter une petite collection, ça peut être intéressant. Voilà, donc là on est parti pour faire une petite pause quand même. Là on a fait le premier salon où il y avait tous les magasins, tout ce qui était manga, otaku. Ça c'était vraiment très sympa, pour l'instant j'ai bien apprécié. J'en ai profité, j'ai croisé l'ami Le Mist. On a un peu échangé, c'est vraiment sympa de pouvoir échanger avec les personnes que tu échanges par texte assez régulièrement. Donc on va essayer de se retrouver puis pour la conclusion ensemble, on va vous donner nos avis. Et puis là, pour l'instant, je suis en train de me faire une petite pause. Je vous partage le paysage, ce paysage. Donc c'est assez sympa. Donc là, on est à l'extérieur, vous voyez, et hop, il y a tout le monde qui est là. Il y a tout le monde qui est là. Et ce rejoint, c'est là où il y a des petits stands pour la bouffe. Et c'est assez sympathique. Donc là, moi, je vais enchaîner, je m'en vais du côté du Grand Palais. Il me semble que là-bas, il y a tout ce qui est gaming. Donc on va aller se faire une petite zone gaming au niveau du tournage. Allez hop, on y va. Ce côté rétro où tu rentres dans le salon et tu entends Joe le taxi, quoi, c'est énorme, énorme, avec des vieilles bonnes d'arcade et tout ça, ça fait un bon retour dans le passé, franchement, c'était très très cool.
Ici, petit stand de planches de skate, j'ai trouvé ça super original, donc je vous l'ai mis dans la vidéo. Mais franchement, ça claquait bien, tu mettais ça juste, tu pouvais l'utiliser ou juste en déco dans ta pièce geek, ça fait le taf, quoi, ça fait vraiment le taf, superbe. Et du coup, là, on se dirige vers la grande salle de concert, de conférence. Franchement, il y a un espace de fou qui est réservé. Il y a moyen d'accueillir vraiment beaucoup de monde. Avant, c'était beaucoup plus petit que ça, ce qu'ils avaient prévu. Franchement, il y a beaucoup plus d'espace. C'est super agréable. Franchement, top. Comme on peut le voir ici, beaucoup de monde dans cet espace, gaming, artistes aussi, enfin là, il n'y a pas beaucoup de gaming, mais beaucoup de monde dans cet espace. Et une très bonne ambiance avec cette queue-leu-leu improvisée, c'est cool. Bon, bah voilà, je vous présente l'ami Le Myst, chaîne YouTube, chaîne Twitch, Instagram, tout ça. On s'est croisé, donc c'est un réel plaisir de t'avoir croisé. Bah ouais, c'est super sympa de te voir aussi. Ouais. Alors bon, on va vous dire qu'est-ce qu'on a pensé quand même de ce salon. On va commencer par Le Myst. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce salon? Bah, incroyable comme chaque année. Il y a plein de stands qui additionnent d'artistes et, qui sont plus impressionnants que les uns des autres. Plein de cosplays différents. Vraiment un univers qui peut plaire à tout le monde. Et surtout qu'il y a des stands de magasins. Des centres de magasins qu'on connaît, Otakunotera, Japanim et d'autres boutiques qui permettent de trouver plein de places pour tout le monde et plein de choses. Donc voilà. Ok, donc est-ce que c'est un salon que toi tu recommandes? Oui, bah après c'est pas un grand salon comme la Paris Games Week, mais si vous êtes dans l'Ouest, faut y aller. Je recommande. Ouais. Et il y a aussi un autre salon, il me semble que c'est lequel l'autre salon? C'est le Japanante, je crois. Un autre salon. C'est beaucoup plus petit, mais c'est assez sympa. Faudra que je vous en fasse un petit vlog dessus aussi. Bien, merci pour ton avis, Otto. Ouais. Un réel plaisir de t'avoir croisé. N'hésitez pas à suivre sur ces différents réseaux aussi. Moi, je vais aller m'éloigner un petit peu et je vais vous donner mon avis un petit peu en marchant, en retournant la voiture. Donc, merci Poto. Donc voilà, donc mon bilan pour l'Art2Play. Donc ça fait plaisir. Je vous ai enfin partagé le petit vlog que je voulais vous présenter sur ce salon qui est quand même un gros salon sur Nantes. Je crois même que c'est un des plus gros salons du coin. Après, il y en a d'autres des salons, mais j'essaierai de vous les faire aussi. Donc l'avantage de ce salon-là, donc il est énorme. Hein. Vous avez pu voir, il y a quand même trois grandes salles. Un pour tout ce qui est conférence, une salle juste pour la conférence, les concerts et tout ça. Je crois qu'il y a concert, ouais.
Et il y a aussi une salle orientée gaming, mais celle-là, elle était un peu plus petite que les autres années que j'avais l'habitude de faire. Moins de monde, moins de stand gaming par contre. On sent que les stands otaku sont bien revenus, commencent à prendre de plus en plus de place dans ce salon-là. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de gaming. Il y a par contre des jeux de société qui sont bien entrés aussi. On sent que le salon il prend de plus en plus de place quand même. Il y a de plus de place, oui, et on peut mieux circuler. Ça, c'est vraiment agréable de bien circuler. Aussi, apparemment, samedi, c'était un peu l'enfer. On ne pouvait pas bouger. Mais là, franchement, dimanche matin, en tout cas, pas de souci. En termes de salon, là, il y a eu vraiment plein de stands de figurines. Ça fait vraiment plaisir, différentes marques. Du Shinsekai, un truc d'import italien, je crois aussi. Ça, il y avait quoi d'autre? Après, il y avait Japanim aussi, Shop4Geek, Otaku Nodera aussi, vous avez pu voir. Puis, comme je disais, d'autres magasins. Donc ça, c'est quand même assez cool de pouvoir voir tout ça. Des artistes aussi, pas mal d'artistes. Genre, je vous ai pas montré beaucoup d'artistes par contre. Là, il y avait beaucoup de monde et puis j'avais pas non plus trop de temps. Et bien sûr, j'ai dépensé des sous, hein, forcément. Donc j'ai pris du Sailor Moon. Du Sailor Moon parce que ma femme et ma fille, elles les ont vues, elles ont kiffé. Donc je leur ai envoyé en photo. Elles ont kiffé, elles m'ont dit tiens, vas-y, tu peux nous prendre. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous faire un unboxing sur la chaîne, bien sûr. J'ai acheté quelques conneries. Acheté entre guillemets, je me suis fait voler. Hein. Quand on achète dans les manga cafés, hein, tu payes ça toujours trop cher les trucs. On va regarder ce qu'il y a dessus. C'était un peu l'occasion. Enfin, de toute façon, on sait que quand on va dans ce genre de salon-là, c'est pas ici qu'on fait des économies, qu'on fait des vraies affaires. Hein. Donc, enfin bon. On va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a de la carte. Je vais vous montrer après. C'est pas fifou non plus. Hein. C'est juste histoire de... Voilà, donc on se retrouve pour faire la petite vidéo récapitulative des achats faits lors de ce salon. Art to Play, donc comme je vous dis, c'est pas dans ces salons là où on fait vraiment des affaires, on se fait peut-être même un petit peu avoir sur certains sujets, notamment dans les mangas café. Mais bon, j'ai quand même pris des trucs, donc on commence par des canettes Sailor Moon qui, pour ma femme et ma fille qui adore ça, Sailor Moon, Sailor Mercure. On va découvrir ce que c'est là. Pomelo Flavor, Pear Flavor, bon, ce sont les différents parfums. On enchaîne ensuite avec. Une canette végétaux, oui, il existe un canette végétaux. Ils n'avaient pas de Gogeta, hein, forcément, mais j'ai déjà goûté d'autres canettes, donc on va goûter celle-là. Ça a l'air d'être goût pomme. Donc on va goûter ça. Ensuite, j'ai pris des petits gâteaux chocolat. Gâteau au chocolat, voilà. Animal Crossing, toujours parce que ma fille, elle adore cette licence-là. Elle y joue, elle pond ce jeu, c'est une boucherie. Ensuite, dans le délire Dragon Ball Super Héros du film où on voyait du Oreo partout, j'ai acheté quand même les gâteaux. Alors non, ils vont pas rester collector, ceux-là ils vont être mangés, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, c'est histoire de voir comment ça se fait, comment c'était passé dans la promo et tout ça. Donc c'est l'occasion de plus regarder ça un peu plus en détail. Ensuite, des Metallic Cheat Gum. Ce sont des choses que je vous ai déjà ouvertes sur la chaîne, notamment dans le short. Donc là, j'en ai pris 3. On va voir ce qu'il y aura dedans. Donc le principe c'est un chewing-gum, une grande carte avec effet métallique. Vous savez, ça brille pas mal, c'est assez sympa, j'aime bien l'effet. Donc en espérant bien sûr ne pas avoir de doute. Ensuite, là j'ai pris ça chez les amis de Japanim à Nantes. C'était à peu près les moins chers hein, qu'il y avait au salon. Donc une figurine Sailor Moon, voilà, 35€, la Glitter and Glamour Eternal Sailor Moon avec ses petites ailes d'ange. Donc on va découvrir ça, hein. Unboxing sur la chaîne, je sais pas quand, mais on verra. Et j'ai également pris la soft V-Mat de Luna, le petit chat de Sailor Moon. Pareil, toujours chez les amis de Japanim, 28€. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire tout tralala, les likes, les j'aime, les abonnés, machin, sous le vidéo chouette. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Mais non, mais putain, trois fois quoi. Quel blaireau. On fait la vidéo, on n'allume pas le micro, c'est normal. Bon, on recommence. C'est de la bombe. Plusieurs fois ce moment-là. Ouais, c'est l'effet un peu, c'est le jour de la marmotte, quoi. Hein. Bon, allez, on est parti. Voilà, donc on va faire une petite vidéo bilan des achats. Oui, troisième fois. Canette, Sailor Moon et Sailor Mercure, je crois. Parce que ma fille et ma femme, elles adorent ça. On a plus de bol. Voilà, hein, quatrième fois, c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Quatrième prise, hein. Juste, c'était plus facile de faire ça dans le salon. Pied smart derrière. Tu vas y arriver, papa. Tu vas y arriver. Si on fait. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.